Et oh! Non, non, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, c'est que j'ai des invités qui vont arriver et j'ai rien préparé pour l'apéro. J'ai juste le pastis, l'eau. On avait dit qu'on allait préparer des pastels farcis aux légumes de ratatouille. Allez, venez avec moi en cuisine, vous verrez, c'est pas compliqué. Allez, on y va. Alors, pour préparer la pâte pour les pastels, il vous faut 400 g de farine, un sachet de levure chimique, un œuf, 100 g de beurre fondu, mettez d'abord un peu de sel, maintenant les 100 g de beurre fondu, et à peu près un verre d'eau. Voilà, pas tout à fait le verre, hein. Il en reste un tout petit peu au fond. Vous regardez la consistance, il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Voilà. Comme ça, elle est impeccable. On va la laisser reposer un quart d'heure, le temps de préparer les légumes pour la farce. Voilà. Alors pour la farce, vous prenez une petite courgette, un poivron rouge et une aubergine que vous allez couper en tout petits morceaux. Je vais vous faire voir pour la courgette. En tout petits morceaux. Hein. Voilà, comme ça. Voilà, vraiment tout petit morceau. Pour le poivron rouge, vous ferez pareil, et pour l'aubergine, pareil. Prêt pour la cuisson. Allez, on va commencer la cuisson des légumes. On va mettre de l'huile d'olive. Voilà. Hop. On va mettre les légumes. Donc, on récapitule l'aubergine. Le poivron rouge et la courgette. Regardez ces belles couleurs. Après, on va mettre un peu de sel. Un peu de piment de cayenne. Si vous n'avez pas de piment de cayenne, vous pouvez mettre du poivre. Voilà. Un peu d'herbe de Provence. Et on va faire cuire ça pendant un quart d'heure. On va bien les faire rissoler et bien les faire réduire. Voilà. Après un quart d'heure de cuisson, je vais ajouter 70 g de concentré de tomate. Je vais laisser, je vais baisser le feu et je vais finir de cuire pendant 2 minutes. Voilà. On égoutte bien
les légumes pour enlever l'excédent de gras. Et on va laisser refroidir maintenant la ratatouille. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte de façon qu'elle soit assez fine. Maintenant, avec un ramequin, je vais faire des petits ronds comme ça. Je vais en faire tout le long de la pâte. Voilà, puis avec les chutes de la pâte, vous pouvez refaire une boule et puis l'étaler et en refaire d'autres. On va finir la farce de ratatouille. On va ajouter un œuf entier et 100 g d'emmental râpé. Voilà. La farce est prête. On va pouvoir farcir les petits pastels. Allez, on attaque les pastels. J'ai cassé un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau que je vais mettre tout autour de la pastelle. Hop, pour qu'elle puisse coller. Voilà. Je mets une toute petite cuillerée à café de farce de ratatouille. Je plie mon chausson, je fais avec les doigts comme ça, top, et je termine avec la fourchette. Comme ça. Allez, à la cuisson. On va plonger les pastels maintenant dans l'huile bouillante. Voilà, j'en mets 4 pour commencer, pour faire voir. Voilà. On va laisser cuire une minute comme ça. Et après, on les retournera et on les laissera cuire une minute. Maintenant, on va les retourner pour les laisser cuire une minute de l'autre côté. Voilà. Voilà, les pastels farcis aux légumes de ratatouille sont terminés. Ce plat coûtera 7 euros. Il ne reste plus que maintenant à attendre les invités. Ah, ils arrivent. Je vous retrouve vers la mi-juin pour un soufflé de chocolat aux fruits Grand Marnier. A très bientôt, merci.